L'enseignement que je vais commencer, the topic of the teaching that I'm about, démasquons les esprits sataniques, is let us et les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let us expose the satanic or demonic spirits and vanquish them and overcome them in the name of Jesus. Démasquons les esprits sataniques. Let us expose the spirit et les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth and defeat them in the name of Jesus of Nazareth. Mon enseignement tire sa source dans Galates 5 à partir du verset 20. My teaching stems from Galatians chapter 5 verse 20. Galates 5 à partir du verset 20. Galatians chapter 5 20. Les œuvres de la chair sont manifestes. On a cité, on est arrivé au 20 là. L'idolâtrie et la magie. The works of the flesh are manifest. Le premier point que nous allons voir ce matin, c'est la magie. Our first point this morning will be magical. Et par la suite, je vais vous enseigner en ce qui concerne aussi l'idolâtrie. Okay. After that, I will teach you about what is idolatry. Il y a des questions que les chrétiens se posent. There are questions Christians ask themselves. Il y a des questions que les chrétiens m'appellent pour demander. There are some questions Christians will ask me and ask. De questions il s'agit. What are those questions? Est-ce que la sorcellerie existe? Is the sorcery something that exists? La deuxième question, the second question, est-ce que le chrétien doit-il avoir peur du sorcier? Is the Christian supposed to have to be afraid of a sorcerer? Est-ce que le sorcier peut attaquer le chrétien? Can a sorcerer attack a Christian? Doit-on combattre l'esprit de sorcellerie ou non? Can we fight or combat? Voici les différentes questions que les chrétiens se posent et ils me posent aussi. Those are the four type of questions. Et avec, à la lumière de la parole de Dieu, on the grounds of the word of God, nous allons répondre à ces questions. Let us answer those questions. Première question. First question. Oui, la sorcellerie existe bel et bien. Yes, sorcery or witchcraft exists. Deuxième anyway, question. Second question. Est-ce que le chrétien doit-il avoir peur du sorcier? The Christian must he or she? La réponse est non. Answer is no. La sorcellerie existe. Sorcery. Mais le chrétien ne doit pas avoir peur du sorcier. But the Christian should not be afraid of a sorcerer. Car ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Because the thing that is in us is more powerful than in the sorcerer. Et ensuite il a été dit. And it was said also, toute sorte d'arme, any kind of weapon, que le sorcier peut utiliser contre nous, that the sorcerer may use against us, est sans effet, is without for no effect. Esaïe 54 verset 17. Isaiah 57 verse 17. Luc 10 18 à 19. Christ nous a donné le pouvoir. Christ giving us the power de marcher sur les serpents, to walk upon serpents, sur les scorpions, on scorpions, et toutes les puissances des de ténèbres, and all the powers of the darkness, et rien ne pourra nous nuire, and nothing can harm us. Nombre 23-23, l'occultisme. Numbers 23-23, occultism, la divination, the divination, l'enchantement, the enchantment, la sorcellerie, sorcery, ne peut pas contre Jacob. Cannot ne peut pas contre la descendance d'Israël. Cannot do anything against the progeny. Et tu es la descendance d'Israël aujourd'hui. You are the descendants. La sorcellerie ne peut rien contre ta vie. Witchcraft can do anything against your life. Troisième question. The third question. Est-ce que le sorcier peut attaquer un chrétien et avoir la victoire sur lui? Does the sorcerer is the sorcerer able to attack a Christian and have victory over him? La réponse ici est de deux niveaux. Question is, the answer here is premier twofold. Niveau. First, oui, yes. Le sorcier peut attaquer le chrétien. A sorcerer may attack a Christian et avoir la victoire sur lui and conquer him. Si tu vis, if you live,
dans l'impureté. In the iniquity. Si tu vis, if you live, dans la souillure. In si tu as une vie semblable à celle d'un chien, if you have a life that is like si the life of a dog, la souillure, if you are living in filthiness, si tu as un pied dans le Seigneur et un pied dans l'idolâtrie, if you have one foot in the Lord and the other one in idolatry, et dès que le Seigneur ôte sa gloire sur toi parce que tu utilises sa gloire pour donner. Once the Lord will take away his glory créature, upon you because you're using his glory for le the creature, then the sorcerer may attack you et avoir une victoire sur toi. And win over you. Voici la première. La deuxième réponse, the second type of answer. Non, non. Le sorcier ne peut pas attaquer le chrétien ni avoir the sorcerer une victoire cannot sur attack a Christian and have a victory upon him. Parce que Jésus dit, why? Because Jesus said Jean 10, 28, in John 10:28, que toute vie qui se trouve dans mes mains, that any life that is in my hand, rien et nul ne peut la ravir. Nothing and nobody can take him away. Je vais vous enseigner sur l'idolâtrie pour que vous puissiez être éclairé sur let le fait que teach you about tout de suite un pied ici et puis un pied idolatry, so that you may understand what it means to have one foot here, the other one. Il y a l'idolâtrie consciente et l'idolâtrie inconsciente. There is an idolatry that you know about that is conscious. Et il faut qu'on vous éclaire pour que vous sachiez que si vous êtes dans l'idolâtrie inconsciente, if you are practicing an idolatry that you don't know about, comme prier demander pardon à Dieu pour que ton pied revienne ici. That you may ask for forgiveness for God to have your. Mais si tu es dans l'idolâtrie consciente, if it is an idolatry that you know about, il faut que tu sors de là. You just have to come out from that. Pour venir complètement au Seigneur. To come completely to the Lord. Gloire à Dieu. Glory be to God. Yes. Est-ce qu'on doit combattre l'esprit de sorcellerie? Do we have to combat the spirit of sorcery? La dernière question que les chrétiens se posent. That's the last question Christians ask. Oui. Yes. C'est un combat serré même. It is a very tight fight. C'est un combat spirituel très dur et très rude. It is a spiritual fight, very difficult and tough. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. And the word of God teaches us that we have to we don't have to fight against flesh and blood. Le verset 12 dit, mais nous combattons contre des esprits méchants. But we are fighting against the spirits that are wicked, dans les lieux célestes, that are in heavenly places. Le diable et son gouvernement est au deuxième ciel. Et après cela, il y a des esprits méchants, des mercenaires. You have all the wicked après spirits. Le gouvernement du diable, tous les anges déçus, les intérêts qui sont all déçus, the angels, the fallen angels. C'est des esprits méchants. They are wicked spirits. Et c'est contre ces esprits que le Seigneur nous dit que quand nous allons prendre les armes spirituelles, les so armes de combat, our spiritual ce que weapon, nous devrions attaquer premièrement, what we need c'est l'esprit fight de la sorcellerie qui est manipulé par ces esprits méchants. The spirit of sorcery that is being manipulated qui se by dans les lieux célestes. That is et le combat spirituel se bat de haut en bas. The spiritual c'est pas celui qui est en bas que nous devrions attaquer. From high to nous low. Devrions attaquer en haut. We need to start from above. Paul nous dit, Paul said, dès que nous prenons les armes spirituelles, as long once we take our spiritual weapons, ce que tu dois attaquer premièrement c'est l'esprit de la sorcellerie. You have to attack first the spirit of sorcery. Un adage en Afrique dit, there is a saying, an African saying, tout le monde connaît le nom de la vieille. Everybody knows the name of the old woman. Mais on l'appelle grand-mère. But we just call her great mama. Je reprends. I'm going to say it again. Tout le monde connaît le nom de la vieille. We all know the name of that old woman. Mais on l'appelle grand-mère. But we just call her our grandmother. Pour qu'il y ait la paix, so that we may have peace.
pour qu'il y ait l'harmonie, so that we may have harmony, comme chacun veut se couvrir la tête, because each one wants to take care of his own head, disons ensemble, let's just say together, fermons les yeux, let's close our eyes, et disons que la sorcellerie n'existe pas, and just say that the sorcery doesn't exist. Ça, chacun va la vie sa vie, et va in that case, everything will be smooth, no problem. Mais avec moi, tu ne t'appelles pas grande merde. But with me, your name is not grandmother. Ton nom est sorcière. Your name is witch. Ton nom est sorcier. Your name is sorcerer. Et il faut que je te démasque ce matin. I must expose you this morning. Et remporter la victoire sur toi dans le nom de Jésus. And triumph over you in the name of Jesus. Il y a un animal en brousse, quand il le surprend, il prend sa tête, il fuit dans le sable. Il enfuit dans le sable. There is an animal in a forest. Quand il va l'arriver, ça va se trouver. Il va put his head in the sand. Même si tu vas le tuer, even if you're going to kill him, il enfuit sa tête dans le sable. Just tu vois, mais je ne vais pas voir ma mort. Doesn't want to see his own death. Est-ce que tu es comme cet animal? Are you just like that kind of animal? Aussi vieux que le monde est vieux, as old as the world is, l'esprit de la sorcellerie aussi est aussi vieux comme ça. The spirit of sorcery is also old like this. Genèse 6, 5, s'il vous plaît. Les Genesis chapter 6. Nous allons essayer de définir ce que c'est que la sorcellerie. We're going to try and give the meaning. Of a definition of sorcery. Vous savez, le ministère prophétique est compliqué. Prophetic ministry is very complicated one. Et quand tu as ce ministère dans ta vie, so when you have that, you're working in this le kind Seigneur of ministry, te donne des dons. The Lord is giving you some gifts. Le don de la connaissance. The gift of knowledge. Le don de la sagesse, parole de la sagesse. The gift of the word of wisdom. Le don de la guérison. The gift of healing. Le don de discernement des esprits. And the gift of the discernment of spirits. Et quand tu pries pour quelqu'un, tu vois qu'il est possédé par un esprit de sorcellerie. When you pray for somebody, you see that the person is being possessed by a spirit of sorcery. Et quand tu vois et puis tu veux l'aider, and you want to help that person, il s'énerve comme toi. The person is just get upset. Ne cherche pas à savoir d'où vient le médecin pour te guérir. Don't try to see where the la physician is from. That was the second word of wisdom again. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pour résumer la sorcellerie, to just sum up about sorcery, c'est une méchanceté. It is a wickedness. Ou une puissance d'empoisonnement. It's a power of a poisoning. C'est une méchanceté. It's a wickedness. Ou une puissance d'empoisonnement. Or a power to just poison you. Qu'on prend et puis on donne à quelqu'un. That someone will take and inject that to somebody, into somebody. Depuis que le monde existe, ever since the world exists, que tu sois conscient. Whether you are conscious ou que tu sois inconscient, or you are not, une chose que tu dois savoir, one thing you must know, c'est qu'il y a un homme, there is a man ou une femme, or a woman, tapis dans l'obscurité, hiding in the darkness, cherchant à nuire à son prochain, seeking to do you harm. Voilà une vérité que tu ne peux pas contester. This is a truth you cannot resist. Qui n'a pas bien compris? Who does not understand que me? Tu sois conscient, whether you are aware, ou que tu sois inconscient, or you are not aware, depuis que le monde est monde, since the world dans is the world, in a darkness, femme est tapis, a man or woman is hiding, des projets malencontreux, plotting wicked plans, en train de forger, planning dans l'obscurité, in the dark, pour te nuire, just to harm you, et nuire à son prochain, and harm to the neighbor. Même si tu ne m'aimes pas, il faut accepter que c'est une vérité. You don't like me, this is the truth I'm telling you. Alors, une autre vérité aussi, another truth. Malgré que le sorcier, tu te caches. Okay. As a sorcerer, you are hiding. Tu es dans l'obscurité, You hide in the darkness. Tu te caches, you are plotting. Tu
forges, tu planifies. And planning all your schemes. Ton père ne sait pas que tu es sorcier. Ta mère ne sait pas que your tu es sorcier. Your mother doesn't know. L'enfant ne sait pas et personne ne sait. Nobody know about that. Il y a aussi un seul jour. There is one day que tu seras déshabillé. That you will be exposed. Acclamez pour le Seigneur. Let us clap your hands for the Lord. Voilà aussi une autre vérité. This is also another truth. Alors, revenons au peuple d'Israël. So let us come back to the people of Israel. Le Seigneur sait très bien que le pays qu'il a promis à Israël, the Lord knows full well that the country Canaan qui est constitué de 17 provinces, Canaan with 17 Canaan provinces, est un pays où il y avait la sorcellerie. Canaan was a country where sorcery Canaan prevailed. Canaan était un pays où il y avait l'esprit d'envoûtement. In Canaan, you have all kinds of witches. Où il y avait la divination. A divination in Canaan. Où il y avait l'ensorcellement. The sorcery is in Canaan. La lecture des étoiles. The reading of the stars. Faire marcher les serpents et puis on va lire sur leurs traces. You just make the snakes. Et pour prévenir Israël de ne pas tomber dans ces pratiques. So to make sure that Israel il a fallu que Dieu parle de la sorcellerie. Il parle de la sorcellerie. Fais attention si tu rentres à Canaan. Fais attention. God fais attention. Talking about sorcery. Tomber dans la sorcellerie. If you get to Canaan, pour ne pas tomber dans ces pratiques. Sorcery. Pour ne pas tomber dans la divination. Those kind of divination or practices. Et la Bible a parlé de ça plusieurs the fois. Bible kept plus de 70 fois. So many times. Que la Bible a prévenu Israël. The Bible warned Israel about that. Exode 20 verset 1 à 5. Exodus 20 first verse until 7 until 5. Exode 20, verset 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. I am the Lord your God who brought you out of the land. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. You shall not have no other God before me. Tu ne te feras point d'image taillée. You shall not make ni de représentation quelconque. Any likeness, des choses qui sont en haut dans les cieux, that is in heaven above, qui sont en bas sur la terre, earth, et qui sont it. Dans les eaux, that les is plus water, bas que la terre. Earth. Continue. Nous allons voir ce qui peut révéler le caractère du Seigneur ici. Continue. Oui, avance s'il te plaît. Alors, les versets suivants disent. The following si verse. Tu fais ces choses, je suis un Dieu jaloux. Because when you do those things, I am a jealous God. Je vais me révéler. I am going je vais to reveal révéler myself. Mon caractère. I'm going to reveal je vais my te montrer que je suis un Dieu jaloux. Je n'admets pas qu'on prenne ma gloire pour aller donner à un autre Dieu. That you qui est la créature que toi-même Dieu j'ai faite. Si tu prends la gloire, tu pars adorer les étoiles, la lune, tu prends la gloire de Dieu, tu adores les montagnes, les rivières, mountains, tu prends la gloire de Dieu, tu adores tout ce qui est dans les eaux, Seigneur a dit que je vais te révéler mon caractère. God says I'm going to reveal my character. Je vais te montrer que je suis un Dieu jaloux. I'm going to show you I am a jealous God. Et je vais te punir. I'm going to punish you. Ton premier enfant. My first. Je vais le frapper de mort. Okay, your first son. Ton deuxième enfant. It's gonna die. Je vais le frapper de mort. Child, it's gonna troisième enfant. By death. Je vais le frapper de mort. Third jusqu'à child. La quatrième génération. Until the fourth generation. C'est puissant, hein? This is powerful. L'esprit de sorcellerie. The spirit of sorcery. Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 to 14. Nous allons décortiquer la sorcellerie en hébreu. We're going to go in detail about the meaning of sorcery in Hebrew language. Le Seigneur m'a donné un don. The Lord has given me a gift. On appelle le don de discernement des esprits. That is called the gift of discernment of spirits.
Quand je prie pour l'église, whenever I pray for the church, je ne prie pas, je suis devant vous. Oh, I'm not praying, I'm standing before you. Les questions que Pasteur Bruce a posées, puis la fille, il est allé à New York là. And the questions that Pastor Bruce asked, and then he left to go to New York. Et puis il m'a laissé dans des problèmes maintenant. And now he just leave me with all the problems. Mais avec le nom de Jésus-Christ, but with the name of Jesus Christ, je vais sortir victorieux. I'm gonna come out victorious. Quel est l'esprit qui t'anime? What is the spirit that is animating? Quand je prie, when I pray, le Seigneur me révèle. The Lord reveals to me. T'anime. The spirit that is animating you. Et pour que tu puisses avoir ce don, for you to y a have un sacrifice gift, à faire. There is a sacrifice to do. Pour que je puisse avoir ça, for me to get that kind of gift, j'ai fait un sacrifice. I have to deprive myself from many things. C'est le Seigneur qui donne les dons. The Lord is the one that gives. On dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. They say they will know the tree. Tu ne peux pas me voir et puis te poser des questions. C'est quel esprit qui anime le pasteur Adam? You cannot see me and say what kind of spirit is animating me. Si tu poses ces questions, tu vas jamais avoir la réponse. If you ask that kind of question, attends, you won't have the et regarde answer. Les fruits qui vont sortir de l'arbre. And see the fruits that are. Ou bien si tu es pressé, if you are in a hurry, dans un moment de profonde repentance, go into the time de jeûne de prière, fasting and prayer, interroge le Saint-Esprit. Et il va te révéler l'esprit qui m'anime. And the Holy Spirit will tell you the spirit that is animating me. Gloire à Dieu. Glory be to God. Pour que je puisse avoir ce don, for me to be able to have that kind of gift, sauvé, and to be saved, libéré de la puissance, je vais vous enseigner après comment on communique la sorcellerie. Comment moi-même ici on m'a communiqué ça? I'm going to tell you how me myself I have been sorcery has il been communicated to me. 7 jours de jeûne et de prière sans boire ni manger. It took 7 days of prayer and fasting. Il m'a fallu cela. I needed to go through that pour vomir la sorcellerie. To be able to vomit. Pour chier ce qu'on m'avait communiqué. To get rid of anything that has been communicated to me. Si tu veux aussi connaître l'esprit qui anime le pasteur Azar, if you want to know the spirit that is in Pastor Azar, prie-toi d'eau de nourriture pendant 7 jours ou bien 14 jours, selon que l'esprit de Dieu te dit. Go on a fast. L'esprit va te montrer parce que l'esprit de Dieu se communique et les esprits sataniques aussi se communiquent. Quand je vois ton esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, on se repousse. Mais quand ton esprit, tu es animé par l'esprit de Dieu, if you are being animated by the Spirit of God, ça tressaillit. La parole de Dieu nous a dit, quand Marie a salué Elisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth a tressaillit. Shake. Car les esprits se. Because the spirits, the like the mind, et l'esprit de Dieu qui s'est rencontré. The like-minded spirits will communicate. Ce don me permet quand je peux parler, être en train de parler avec toi au téléphone. I will be et on le the Seigneur phone. Me révèle l'esprit qui est derrière toi. And the Lord is revealing to me the spirit en that is derrière toi. Ça me révèle l'esprit qui t'anime. Before you, the Lord reveals to me the spirit that is animating you. Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome chapter 10, 9 to 14. Deutéronome chapter 10 or 18. Deutéronome 18, Deutéronome chapter 18, 9 à 14. 9 through. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits,
ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait toutes ces choses est en abomination avec Dieu. For all those who do those things are an abomination to the Lord. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser les nations devant toi. Because of these abominations, the Lord your God drives them out of their place. Heber. Heber. H-E-B-E-R. Heber. Nous voyons cela ce que nous venons de lire de Deutéronome 18:11. Ou Kajaf. K-A-S. H-A-P-N-P-H. Esaïe 47, le verset 9. Isaiah 47, verse 9 to 12. Ou dans 2 Chroniques 33, le verset 6. Or 2 Chronicles 33, verse 6. Et Deutéronome 18, 10. Deutéronome 18, 10. Exode 22, verset 18. Exode 22. Et ces termes se résument en enchantement. All this sortilège. To boil down to enchantment. Le sorcier ne sait pas faire du bien à quelqu'un. The sorcerer doesn't know how to do good to somebody. C'est de faire all le mal. They can do is to harm. Alors, prêtez bien attention. So, pay attention. En ce moment, la sorcellerie est de deux niveaux. A sorcery is twofold. Le premier niveau parce que le temps ne va pas me permettre de rentrer dans le deuxième niveau. We're gonna only tackle the first level. Le premier niveau, the first level, c'est que tu peux être sorcier sans savoir que tu es sorcier. That you can be a sorcerer without even realizing it. Être sorcier, to be a sorcerer, mais tu ne sais pas que tu es un sorcier. But we don't know that you are a sorcerer. Devant la télé, tu ne dors pas. Before, when you're watching the TV, you cannot sleep. Quand tu es sur Facebook, tu ne dors pas. When you are on Facebook, you cannot go to sleep. Quand tu critiques aussi les gens, tu ne dors pas. When you are criticizing people, you don't have time to sleep. Pendant les chants et les adorations, tu ne dors pas. When people are worshiping God, you cannot. Le seul moment que tu as choisi pour dormir. So that's the time you choose to sleep when people are prière, preaching or when people are praying. Il y a quelque chose qui cloche. There is something going wrong. Le premier niveau de la sorcellerie. The first level of sorcery. Galates 3 verset 1er. Galatians chapter 3 the first verse. Vous pouvez projeter ça s'il vous plaît. Et je voulais votre version c'est 8 secondes ou bien c'est en français courant pour mieux expliquer à ce niveau. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de Dieu que Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh foolish Galatians, who has bewitched you that you should not l'autre version, you should not obey the truth. En français courant, ceux qui ont cette version peuvent lire oh Galates, dépourvu de sens, who has not bewitched qui vous a ensorcelé. Who has bewitched you? Oh Galates. Oh foolish Galatians. Dépourvu de sens. Foolish Galatians. Qui t'a ensorcelé? Who has bewitched you? Galates est une église que Paul a créée. Galatians are a church that Paul created. Et ce implanted. Sont les gens qui ont reçu le Seigneur. Those are people that has received. Ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. They have received the Holy Spirit. Ce sont les fils spirituels de Paul. Those are spiritual children et of comme Paul. Dans son ministère, il fait des déplacements. Because Paul is in his ministry, he travel a lot. Et à un moment donné, Paul revient. At a given time, Paul came back. Et il voit que Galates, l'église de Galates, and he noticed that the church with Galatians. Paul a le don de discernement des esprits. Because Paul has the Paul discernment, Galates, the spirit discernment. Paul saw that sorcier. Galates people, Galatians has become witchcraft. C'est comme votre pasteur, le pasteur, notre pasteur principal qui part en mission, il revient. Just like our main pastor go to on a mission. Il prend le micro, il voit que toute la salle est devenue. C'est, en fait, les gens sont des sorciers qui sont assis. And he's watching the whole congregation and can notice that the whole congregation is full of. Et maintenant, il est dans l'étonnement, il se pose des questions. And he's wondering himself. Oh, chapelle internationale. Oh, international chapel. Dépourvu de sens. Oh, foolish. Qui vous a ensorcelé? Who has bewitched you? Paul était dans l'étonnement. Paul was surprised. C'est où que tu as contracté cette sorcellerie? Where did you get that sorcery from?
Voici le premier niveau. Aujourd'hui c'est le 22. That's the first level. Tu peux ne pas être sorcier aujourd'hui. Today is the May 22nd. Et demain tu es sorcier. You may not be a sorcerer today, but tomorrow. Et puis tu sautes. And then you jump from there. Tu es devenu sorcier. Et you, toi-même tu te demandes, c'est où tu as pris ça? And you ask yourself, where did you get toi-même, this? Toi-même tu ne sais pas comment tu as fait pour devenir sorcier. You don't know how is it that you have become. Partout là où tu pars. Everywhere you go, ceux qui ont le don de discernement, those who have the gift of discernment, quand tu dis prier pour moi, ils commencent à prier pour toi. Ils voient l'esprit de sorcellerie dans ta vie. And they pray for you, they can see the spirit of sorcery in you. Et ils te demandent, ils t'informent, ils te disent que ça va pas. Something wrong. Et toi-même, tu te demandes où tu as pris ça. And you wonder where did you get this from? Tu as les mains innocentes. You have innocent hands. Première forme de souffrance. That's the first type of suffering. Il y a des familles en Afrique. There are families in Africa. Si la femme est enceinte. Whenever the wife is pregnant, l'enfant est légitime de son papa ou bien c'est l'enfant de l'infidélité. They want to see whether this child is legitimate. On la serre autour avec les feux de karité. On la mène dans le haut lieu du village. Le fétiche de la sorcellerie. Wife, on la fait asseoir et l'esprit de sorcellerie rentre en elle. They took the wife et cette même nuit, si l'enfant n'est pas légitime de son père, so when this child is not from la his father, sort, then the pregnancy will c'est une puissance d'empoisonnement. It is a power to poison. À ce premier niveau, il y a une autre forme aussi de sorcellerie, ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. What is called the return to the sender. Cette forme-là, tu l'as prise. This type of sorcery, you get it parce que tu veux te protéger. Because you just want to protect yourself. Tu veux voir qui est tapis dans l'obscurité pour te nuire. You just want to see who is hiding in darkness to harm you. Alors que le Seigneur Jésus-Christ dit, but whereas the Lord Jesus said, dans Romains 12, 17 à 19, in Romans chapter 12, la vengeance est à moi l'Éternel. Vengeance belongs to me, the Lord. Je vais vous expliquer. Let me explain this. La sorcellerie, the sorcery, the witchcraft. Quand tu pars pour bouffer la sorcellerie, when you go to get the sorcery, c'est des racines. Those are like roots. Excusez-moi, c'est le poisson de, c'est le serpent de Moïse. The serpent of Moses. C'est des propos, c'est des esprits qui se parlent actuellement. Those are si tu n'es pas dans la connexion spirituelle, communicating right now. If you are not connected spiritually, you cannot follow what I'm saying. C'est des racines. Those are roots. Et quand tu pars pour bouffer ça, so when you go to, si tu es un homme, eat that, if you are ça fait 33 différents types de racines. You'll have 33 different types of roots. En brûle, on prépare ça avec le taux. The power to prepare this with et on te donne du manger, tu deviens sorcier. They give it to you to eat and you just become a sorcerer. Voilà. Quand tu es un homme, comment tu peux aller prendre ça? If you are a man, that's how you get it. Quand tu es une femme, if you are ça fait 34 différents types de racines. A woman, 34 types et puis, of roots. On prépare le toit avec ça, tu manges. Into powder, they put it in your food, you eat it. Mais dans l'autre forme, le retour à l'envoyeur. So the tap to quand the tap tu es that une is femme, to come back to the center. Les 34 types de racines là, on soustrait un. Et on laisse 33. As a woman, et on prépare le taux. Out of the 34 on la sève de du cendre. Ou soit du charbon. Et on prend des plumes. On pique autour du taux. Feeders and make holes of et le féticheur chargé de donner ça. The il meal. Prend le plat avec le taux. Il renverse. They turn around this meal. Au lieu que les plumes soient en bas du taux, automatiquement les plumes reviennent. For the feathers to be at the bottom, they come right back on top of the. Ça c'est l'autre forme de sorcellerie qu'on appelle le retour à l'envoyeur. That's the type of sorcery called return et to the sender. Ça, il y a un esprit qui vient en toi.
When you eat that kind of meal, puissance qui vient spirit en toi. In you. Et à chaque fois que tu, quelqu'un est en train de cogiter le mal, so de planifier le mal, somebody is planning pour te nuire, cet esprit qui t'anime sort et part te venger. That spirit that is in you will come out. Et toi-même tu ne maîtrises pas combien de personnes cet esprit est sorti aller tuer. You cannot know yourself how many times that spirit come out of you to go and kill et somebody. Et quand tu n'as pas le don de discernement, and when you do not have the gift of discernment. Tu ne peux pas savoir ça là c'est retour à l'envoyeur. You cannot know whether it's the return to the sender or what it is. Parce que quand tu pries pour ces genres de personnes, because when you pray for this type of people, zibous, when you see the owls or lions, une vache noire, or a black chauve-souris, cow, ça se manifeste de la même manière. They manifest themselves the same way. Oh Galates. Oh Galatians, dépourvu de sens, foolish Galatians, qui t'a ensorcelé? Who has bewitched you? Ton ami peut aller bouffer la sorcellerie et il sait que s'il te propose ça, tu ne vas pas accepter. Your friend may go and eat of the sorcery. Il prend la poudre, so he will take the power, the powder. Il paye deux bonbons, il met dans l'autre, put, et puis candy, il garde l'autre pour lui-même. The power, et il vient, il te donne l'autre là. And he will give you, et lui, il mange là où il n'a pas mis la poudre. He will eat the part that is, quand tu prends, is free of the power. Carlon, c'est la sorcellerie qu'on t'a communiqué so, comme ça. Once you eat that type of candy, then it becomes a sorcery being communicated to you. You are des mains innocentes. You have innocent hands. Tu as des mains pures. You have pure hands. Mais on t'a ensorcelé. But they have put in you sorcery without you knowing. Vous savez tous les esprits là, ça se transfère. Hein? Do you know that all the spirits can be transferred to you? Quand vous êtes fidèle à votre pasteur, when you are faithful to your pastor, le pasteur véritablement oint de l'Éternel, a pastor that is truly anointed tu es loyal by the Lord, à lui, if you are loyal to the pastor, à lui, you're faithful to the pastor, il peut prier pour toi et t'imposer la he main, may pray for you, lay a hand on you, et te donner le Saint-Esprit, and transfer to you the Holy Spirit. Tu seras baptisé, and you'll be baptized from the Holy Spirit. La parole dit que Élisée a reçu sa puissance de qui? The word says Elijah received his power from whom? From Elijah. Et le diable a copié ça. And il transfère. Satan has copied that and to transfer power to one sorcery and sorcery. Nous continuons. Let us continue. Comment cela se manifeste? How does this manifest itself? Acte 2, 17. Acts chapter 2, verse 17. Au dernier temps, j'enverrai mon esprit sur vous. Vos jeunes gens prophétiseront. I will bring my spirit to you, your youth will prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. That was Acts. Chapter 2, verse 17. Ça c'est ce que le Seigneur nous a prévu. That's what the Lord has promised to us. Mais quand on t'ensorcelle là, but once you have been bewitched, tu ne peux pas avoir des visions. You cannot have visions. Mais ce sont ces manifestations là que je vais te donner. Quand tu dors, when you sleep, tu passes dans ta vie. The things that are going on in your life, in your sleep, when you see those things, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. You need to know that there is something that is wrong. Vous savez, l'ennemi quand on veut attaquer l'ennemi, when the enemy you want to attack, il faut d'abord le reconnaître. You want to identify him first, le démasquer, and expose him, le déshabiller, and et quand tu l'attaques, and when you attack, tu remportes la victoire sur lui. Then you can get. Mais si tu ne le connais pas, if you do not identify, tu tapes ici alors qu'il est ici. So, tu combats l'esprit de mort alors que c'est un esprit de sorcellerie. Tu es en train de combattre contre un esprit d'envoûtement alors que c'est un esprit de mort. Il faut que tu puisses détecter c'est quel type d'esprit que you tu must know first of all what type of spirit is it. Pendant que tu dors, as you are sleeping. Tu peux te retrouver dans les cimetières. You can find yourself in the graveyard.
Au lieu que ce qui est prévu dans Acte 2, 12 là, instead of having the promise that is in Acts chapter 2, 17, quand tu dors la nuit, tu te retrouves dans les cimetières. When you're sleeping in the night, you find yourself in a graveyard. Tu te retrouves parmi les idoles ou bien les fétiches. You find yourself among the idols and all the idols. Écoutez très bien. Listen carefully. C'est de cette connaissance que Osée parle. Hosea is speaking of that kind of knowledge. Tu te retrouves avec des gens que tu n'as jamais vus. You find yourself with people you don't know, total strangers. Et vous pouvez être en train de manger ensemble. You could be even eating together. Pendant que tu dors, as you are asleep, on peut venir te donner de la viande et puis tu es en train de manger. Tu sais même pas d'où. People may come and give you meat. You are eating. You don't know where it comes from. Pendant que tu dors, as you are sleeping, moins de bruit. Tu te retrouves en l'air. A little noise, you find yourself in up in the air. Ou soit tu te retrouves dans un poulailler en train d'égorger les poulets. Or you find yourself in a chicken house, killing all the chickens. En train de tuer des animaux. Or killing animals. Vous ne voyez que fréquemment du sang dans vos rêves. So you see oftentimes blood in your dreams. Ou soit vous tenez une machette. Or maybe you're holding a machete. En train de blesser, de tuer. And cutting or killing. Vous, pendant votre sommeil, throughout all your sleep, tu ne fais que attaquer les gens, agresser les gens. Aggress and assault people. Voilà la sorcellerie inconsciente. This is what is called unconscious sorcery. Galates étaient des sorciers, mais ils ne savaient pas. Galatians were sorcerers without realizing it. Si cet esprit de sorcellerie vient dans votre vie, if that kind of spirit of sorcery, tu peux avoir de bons rêves venant du Seigneur. Comes in rêver your life, voir un âme, rêver être dans l'église, rêver tenir une Bible, rêver en train de prier. To dream, to hold in the Bible, to dream, praying, you won't have those kind of dream anymore. Et partout où tu pars, dans le monde aussi il y a des voyants. You go, in the world also there are seers. On va dire que lui là il est sorcier. Everywhere you go, people will say you are a sorcerer, but you yourself you don't know. Et dans la justice de Dieu, in the justice of God, tu peux être délivré. You will be delivered. Dans la justice de Dieu, in the justice, tu peux être sauvé de cette sorcellerie. You will be saved from that kind of sorcery. Et souvent quand tu es dans une compagnie de travail, et que le patron, le responsable est at work, sorcier, il veut que toute sa compagnie, and your manager is a sorcerer, soit des sorciers. He or she wants all his staff to be a witch. À communiquer ça. So he will try to communicate to you as a sorcery. Who are you? You are among us. You work. We want to communicate ça. We need to give you that sorcery also. 2 Chroniques 33, verset 1 à 20. Nous n'allons pas lire. La sorcellerie, la première forme, la sorcellerie de Manassé. The sorcery of Manassé. Mais 2 Chroniques 33, verset 6, je vais lire ça un peu. 33. 2 Chroniques 33. Manassé qui est le fils de Ézéchias. Manassé, the son of Ézéchias. Ce grand Ézéchias, ce grand homme de Dieu. This great man of God. Que le Seigneur a envoyé Nathan pour dire tu vas mourir. That the Lord sent out to Nathan. Et il a prié le Seigneur a augmenté 15 jours et 15 ans dans sa vie. He prayed the Lord to grant him 15 years. On dit que Manassé, quand il prenait le pouvoir, le règne, il avait 13 ans. So they said that Manassé became donc ça veut dire 13 years old. Quand Ézéchias l'a mis au monde, deux ans après, le roi Ézéchias est mort. His father died. Et quand Manassé est venu au pouvoir, so when Manassé got the power, les tribus voisines sont venues voir Manassé. The different nous pouvons t'aider pour que tu gouvernes ton règne. Come to Manassé and say, nous allons te donner une puissance, tu vas gouverner. We want to give you a power to rule over us. Nous allons communiquer la sorcellerie. We want to communicate to you sorcery. Nous allons t'apprendre comment faire la divination. We want to show you how to perform divination. Et ils ont communiqué cela à Manassé. And they gave all this to Manassé. Vous pouvez lire le verset 6, ce que Manassé a fait. You could read et le Seigneur a permis qu'il soit transporté. And the Lord allowed Manassé to be transported in captivity to Babylon. Et Manassé est rentré dans un profond
repentance. So Manasseh went into a deep repentance. Et le Seigneur l'a rétabli. And the Lord restored him. Et quand il est revenu, so when he came back to himself, il a abandonné ses mauvaises pratiques. He forsook all those wicked ways. Et il s'est donné au Seigneur. And he gave himself to the Lord. Je vous explique un peu quelque chose, même si tu n'as pas le don de discernement et que tu vois ces signes when dans la vie de ton papa, this, même ta maman, même ton frère, signs in your father, your mother, your brother, flee. Car ces signes-là, because those signs, tirent sa source dans les racines de la sorcellerie, coming from sorcery. Et en Genèse 37. In Genesis 37, when we read the story, nous avons vu cette manifestation se passer à l'intérieur. We saw that same thing come about in the in. Quand tu as ton papa ou ta maman ou ton frère, vous êtes deux ensemble. Your father or your ton mother. Ton ami, vous avez souffert ensemble. Your friend, you suffer together. Vous pouvez même être dans le même groupe d'intercession. You may be in the same group of intercession. Quand vous priez pour avoir un mari, le Seigneur exauce une et puis l'autre n'est pas exaucé. Spouse, the Lord gives celui someone, qui n'est pas exaucé, si commence à manifester une scène de jalousie contre the toi. The one that does not have his il prayer, commence à te haïr. He commence à te détester. Detesting you. Il faut fuir. Just flee away. Sinon, il va te tuer. Otherwise, it's gonna kill you. C'est de la sorcellerie. C'est les feuilles de la sorcellerie. That's ça tire ses racines of sorcery. Ça sert nourricière dans taking la sorcellerie. Nourishment from sorcery. Joseph dit que j'ai rêvé. Joseph said, le soleil, I dreamt. Les 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Sun, moons, all those things prosternent. Il dit qu'on était en train de lier des herbes. Vos herbes se sont prosterné devant moi. Voyez d'abord, ce n'est que des rêves. Hein? Those are only dreams. Et regardez comment ses frères ont agi envers Joseph. Just see how his brothers acted. Prends la nourriture, va donner à tes frères qui sont au champ. Take the meal, go and give it to your brothers in the farm. Voilà le revers qui vient. Voilà ce qui a les ondes là qui vient. Comment on va faire? Tu oh, they say this is the this bro, our brother coming, let us just kill him. Si ton père, ton propre père, if your own father, il est jaloux, is jealous de ce que tu es devenu, of what si you have tu as su, if you know this, il faut fuir. You have to flee. Malgré qu'il est ton père là, even though he's your peut father, te tuer. He's gonna kill you. Ton frère, your brother, qui est avec toi, il voit que tu es devenu, tu as réussi. He noticed that you have been successful. Il manifeste ces choses envers toi, il faut fuir. He's acting like this before you, just flee. 10 frères de Joseph l'ont tué dans leur cœur avant qu'il n'arrive. 10 brothers of Jesus killed him. Il a dit non, ne le tuons pas. Jetons-lui dans le puits. D'accord. Let not kill him. Let not put him in a pit. Voilà d'autres signes aussi de la sorcellerie. Those are some of the signs of sorcery. Je vais vous raconter une histoire qui au Burkina Faso et puis on va arrêter ici. Let me tell you a story from Burkina Faso and then we stop right here. Dans une église, in a vous church, voyez, les assemblées de Dieu ont les mêmes organigrammes. You know, assemblies of God church has the same chart of organization. En 2013, à l'école biblique, un pasteur est venu se confier à moi. Pastor, in 2013, pasteur, j'ai des problèmes dans mon église. Bible school, come and confess to me, pastor. Ma femme est sorcière. My wife is a sorcerer. It's a witch. Le président des femmes dans mon église est sorcière. The president of women fellowship is a witch in les my responsables church. De l'école de dimanche, c'est des sorciers. The leaders of Sunday school are. À la chorale, il y a des sorciers. In the choir, we have sorcerers. Dans les différentes structures, il y a des représentations des sorcières à l'intérieur. In the different department of the church, you have sorcerers everywhere. Pasteur, qu'est-ce que je dois, pastor? What am I going to do? On a dit que quand Jésus-Christ sortait du séjour des morts, they said that when Jesus Christ was coming out of the Romains 8 verset 11. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, the Spirit of God that resurrected Jesus, il vous ressuscitera aussi.
vous, vos corps mortels. Et quand Jésus-Christ sortait du séjour des morts, il est sorti avec une clé. He came with a key. Et la mort et le séjour des morts ne peuvent rien contre Jésus-Christ. Cannot et que cette clé-là, il te l'a donné. He gave it cette clé-là, il me l'a donné. This key, he gave et cette clé-là, c'est la prière. This key is et la prière, on l'a décrit comme étant une dynamite. Une prayer puissance qui parle d'exploser. As a grenade. A grenade ready to explode. J'ai dit, pasteur, I said, pastor, vous avez toujours la clé là. Do you still hold that key? Vous faites toujours usage de cette clé que Are you still using that key the Lord has given you? Il dit que, vous savez, quand les sorciers ont un sorcier, ils ont un pouvoir de contrôle et de manipulation. So witchcraft, si when the witch, they bewitch you, pasteur, they have a power to control you. Ils ont un pouvoir de contrôle sur toi. They have a power of control over you. Tu peux te lever, tu peux même plus prêcher. You can tu rise le message, like mais you can't Or you can start, but then you go somewhere la prière, else. Tu as des difficultés pour prier. You have difficulty to pray. Et cette clé là, tant que vous ne la reprenez pas, that key, as long as you do not pastor, have, vous n'allez pas remporter la victoire sur votre You are not going to get the victory over your enemy. Organise une semaine de prière. Just hold a week long prayer. Invitez trois pasteurs. Ensemble, on est allé. So je vais vous dire le nom de l'église parce que les Burkinabés, ils vont connaître de qui il s'agit. Et le dernier jour de la semaine de prière, the last day of that week of prayer, l'Esprit de Dieu a saisi the spirit of God hold, la responsable, la patronne même qui était la femme du pasteur. The leader, that was the wife et of the elle a pastor, commencé à confesser and she started à citer les autres sorciers. And to name all the international, où se trouve la clé que le Seigneur Jésus Christ International chapel, what are the keys that the Lord God gives you? L'avez-vous déposé? Have you put it somewhere else? Est-ce que vous priez suffisamment chez vous? Do you pray enough in your own place? Quand vous regardez le programme de l'église, when you look at the church program, les dimanches, quand je suis venu, when I came here first, j'ai remarqué, one thing I noticed, la clé là, on n'en fait pas usage. I noticed that people are not using that key. Pourquoi on n'en fait pas usage? Why? Si ce pouvoir de contrôle et de manipulation, if this power of control and manipulation, quand vous lisez Somme 11 à partir du verset 6, when you read Somme 11, pendant la prière, during the prayer, le Seigneur fait pleuvoir une pluie de charbon, the Lord will fall, il fait pleuvoir du feu, of fire, du soufre, il fait souffler un vent brûlant. You wanna blow? Et quand ton esprit est animé d'un esprit de sorcellerie, when your spirit, ce feu brûlant te consume et tu cries. That burning fire will consume you. Il faut que la prière arrive à un niveau. And the prayer, il faut que le niveau de la prière monte à un certain niveau. Apocalypse 8, quand vous lisez, when you read Revelation, il dit que la prière des chrétiens ont été mêlés dans l'ascensoir et l'ange l'a jeté au pied du trône de Dieu et le Seigneur l'a ramené ça sur la terre and the Lord et il a eu une réponse à travers des voix. La prière fait que les cœurs durs sont rencontrés par une voix. Comme Saul de Tarse a été rencontré sur le chemin de Damas par une voix. A voice will meet up or will encounter the things. Tellement que ton cœur est dur. La force de la prière fait que tu as des réponses à travers des éclairs. That you'll have answers through à travers des tremblements de terre. Through thunders. Nous ne prions pas assez. We do not pray enough. Si nous ne prions pas assez, if we do not pray enough, nous allons toujours être contrôlés par ces spirits. We are still going to be controlled and manipulated by those spirits. Moi, on m'a sorcellé ici deux fois. Me, I have been bewitched twice already. Je sais de quoi je vous parle. I know exactly what I'm talking about. Et quand on t'ensorcelle, où se positionne cet ensorcellement? So when you've been bewitched, ça se positionne au niveau de ton nombril. It will come up onto your belly button. Et se positionner là-bas. So it just si tu es une jeune fille, if you are a young girl, tu peux avoir un monsieur. Il envisage d'épouser, mais comme il ne peut pas t'épouser sans aller prier, il va aller à la prière. So he went to pray. Il prie là-bas, dit, la fille que tu veux épouser là. And somebody will tell me, oh, this girl you want to marry. Mm-hmm. Be careful.
Mais toi-même, tu es la jeune fille là, tu ne sais pas. But you as a young girl, you don't know. La relation se brise. Et tu dis, pourquoi on n'a même pas fait la bagarre? Then there was a breakup. On sait pas pourquoi on s'est mis. Why that was le gars là est allé prier. On l'a dit que tu es une hibou. This man went to pray. Et quand le gars dort la nuit, c'est toi qui la chasse avec une hache pour taper. Mais il va fuir. Man is gonna la sorcellerie innocente. Witchcraft that et nous allons prier. You don't know about. Si on t'a communiqué ça ce matin, we're gonna pray and if you've been communicated. L'onction qui brise le jour. Esaïe 10 à partir du verset 17. Le fardeau du péché qui se posait sur ton épaule. The burden of sin that is upon your shoulder. Le jour qui se trouve autour de ton cou. The yoke around your neck. C'est l'onction de Dieu qui arrache. Only the anointing of God. Jérémie 18. Va. Arrache, go, snatch, destroy. Et Matthieu 15, 13 dit, tout arbre qui n'a pas été planté par le Seigneur, any tree that is not been planted by the Lord, be uprooted. Tout ce qu'on a planté en toi qui n'est pas du Seigneur, that has been le Saint-Esprit va l'arracher ce matin. The Holy Spirit va l'arracher ce matin. Tenez-vous debout, on va prier. Let us stand on our feet and pray.